Al, le pain. Et mange. Laisse-le s'il n'a pas faim. C'est pas comme ça qu'il va grandir. C'est en mangeant. Tu vas arrêter d'être con, s'il te plaît? En mangeant. Je vais être majeur dans 24 heures. 23. Oh, 23, 24, qu'est-ce qu'on s'en fout? Tous ces potes sortent, s'éclatent, se tapent des gonzesses. Oui, ça va, et toi? Départementale de l'agriculture qui nous délivre un certificat de conformité de meute. Et dès l'instant qu'on a cette attestation, on peut pratiquer le déterrage. Monsieur, n'oublie pas de regarder mon agenda privé pour mettre les heures de colle cette fois-ci. Oh mec, tu m'as fait peur. C'est à la mode d'arriver en retard comme ça, hein. Ah sérieux. Madame, en fait... Capuche. Oh. Capuche. Ah, c'est Guantanamo. C'est pire que ça, je te jure. Ici, t'as pas le droit de faire tomber la savonnette, hein, je te jure. Je te préviens même. Ah, oh, c'est abusé, gros. Hey, mec, comment ça? La forme? Ouais, wow, je te dis, c'était une dinguerie, hein, le match de la semaine dernière. Voilà. Hey, vous allez bien ensemble, vous êtes mignons, sérieux. Hey, au fait, t'as pris tes baskets pour ta petite leçon de dribble, là, c'est ça? Non, t'es sérieux, j'ai la balle de basket, là, mec. Hey, mais gros, je t'ai toujours dit, prévois. En plus, j'avais tout préparé. Putain, j'avais même pris nos... Hey, t'es sérieux, là? Oh, t'as vu un fantôme, ou quoi? Ah, t'as sorti la vie. Oh mec, t'es sérieux? Maintenant t'as pas... Monsieur Génois a des questions maintenant, c'est sûr. Eh, hey, tu veux que j'aille la voir, c'est ça? Oh gros! Oh mec! Ouais, ouais, tu veux que je te raconte ou pas? Ou tu préfères que... Tu racontes comment j'ai vu Michael Jordan. Hein? Sérieusement? Bah écoute, à l'arrivée, c'était la flemme. Hein. Tout le monde parlait dans le cours, etc. C'était le cours de Monsieur Toul, tu sais? C'était n'importe quoi. Elle se présente, toute timide comme ça. Parlait pas beaucoup, tu vois, j'ai pas trop entendu. Bonjour! Ah, j'ai rigolé. Hein. Je crois, franchement, elle est un peu comme toi. Eh, vraiment, sérieusement. Ou peut-être que... Elle préfère le basket. Regarde ta première voiture, mon chéri. Bon anniversaire. Voilà, t'as plus besoin de nous. T'as plus besoin de prendre le bus. Tu vas pouvoir aller à l'école en voiture. On savait que ça te plairait. J'ai tout claqué moi-même. Ça n'a pas été facile.
mais le résultat est là. Regarde comme il est content. Bon, c'est pas une toute neuve, mais elle roule. C'est le principal. Tu l'essayeras plus tard. Passe un petit peu de temps avec ton papa. Allez, c'est ton anniversaire. Oui, descends de là. Tu l'essayeras plus tard. Okay. C'est ici que t'as vu le cerf. Bon, on attend là. Bon, déjà que tu manges rien. Comment veux-tu grandir ? Tu sais, je suis pas si dur que ça avec toi. Mon père, c'était autre chose, quand on ne mangeait pas. On est une famille de chasseurs. Une proie, ça se respecte. Sinon, sa mort est inutile. Tu connais l'histoire de tes ancêtres ? Les Magyars. Des millions, en vrai. Des chasseurs et des guerriers redoutables. Ils étaient également redoutés parce qu'ils mangeaient la chair et les organes de leurs ennemis après le combat. Tu sais ce que veut dire notre nom de famille ? La sécurité. Oh, il y a un moyen de monter là. Oh. Ah, c'est papa et maman qui se tombent aussi bien ou quoi? Damn it. Bien. Putain, mais je te jure, râle que tu sais. Maintenant que t'es là, on est bien. Oh, oh là là, on est trop bien. Eh, tu sais, je me suis toujours posé une question. Ça fait quoi de... de pas parler? Tu sais, d'être mieux. Ah, tu te fais un camping, tu veux qu'on mange des marshmallows ou quoi?
Oh, je t'avais dit, on rentre chez moi et on va fumer un gros joint. Qu'est-ce que tu me fais, là? Putain, mais le chien! Ah, je suis obligé de mettre mes pompes dans la boue, putain, chier! Elle a quoi, là, la gove, gros? Je sais pas ce qu'on fout ici. Mais... Vas-y, bouge avec ça, mec, t'es sérieux. Vas-y, viens, on rentre, gros. Oh, vas-y, viens, là, on se casse, gros, c'est bon, là, arrête de saouler avec ton flingue, là, mec. Merde. Salut bonhomme. Finalement, tu sais, je suis très fier de toi. T'as de bons amis.